Bonjour à tous. Nous allons apprendre à tricoter des mailles en verre. Prenez votre ouvrage dans la main gauche. La pelote doit être à droite. Insérez la pointe de l'aiguille droite dans la première maille de l'aiguille gauche. L'aiguille droite croise l'aiguille gauche par le dessus. Prenez le fil relié à la pelote. Enroulez l'aiguille droite de la droite vers la gauche. Passez la boucle ainsi formée avec l'aiguille droite vers l'arrière. Ressortez la boucle de l'aiguille de gauche. La maille passe ainsi de l'aiguille de gauche à l'aiguille droite. On recommence. On passe la pointe de l'aiguille de droite dans la première maille de l'aiguille de gauche. On enroule le fil autour de l'aiguille de droite, de la droite, vers la gauche. On passe la pointe de l'aiguille, avec la boucle ainsi formée, vers l'arrière. On glisse la boucle hors de l'aiguille de gauche. Encore, on passe la pointe de l'aiguille de droite dans la première maille de l'aiguille de gauche. On enroule le fil relié à la pelote de la droite vers la gauche. On passe la boucle et la pointe de l'aiguille vers l'arrière et on ressort la maille de l'aiguille de gauche. Attention à ne pas trop serrer les mailles pour qu'elles puissent se balader facilement autour de l'aiguille. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Une fois la rangée terminée, passez l'ouvrage dans la main gauche, prenez la deuxième aiguille dans la main droite et vous pouvez recommencer.